Europe. Europe 1. Lise, ce belle matin, c'est un univers totalement fou que vous voulez nous faire découvrir. Et oui, je vous emmène à une dizaine de kilomètres de Lyon, on est à environ 25 minutes de route à Saint-Romain-au-Mont-d'Or pour découvrir la demeure du chaos. C'est un immense musée d'art contemporain à ciel ouvert, totalement gratuit, un décor apocalyptique de 9000 m² dans lequel sont exposées plus de 6300 œuvres qu'on doit à celui qui a fondé ce lieu il y a maintenant presque 20 ans, Thierry Herman. Bonjour Thierry. Bonjour Lise. Alors décrivez-nous pour les auditeurs ce lieu totalement dingue. Alors, je crois que c'est une histoire déjà qui est unique, c'est avant tout un partage de rêves, d'amour, de poésie et d'humour. Et d'utopie, nom de Dieu, il faut parler d'utopie. Ben oui, c'est vrai. Oui. Comme au club de l'été, vous êtes membre VIP. Voilà, c'est comme l'histoire du palais idéal du facteur cheval. Exactement. Voilà, ça fait penser à ça d'ailleurs. À 100 ans près, un homme avait cette même recherche. Il disait d'ailleurs, la vie sans but est une chimère. Et d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de découvrir dans l'ouvrage avec le facteur cheval qui nous désignait comme héritier en disant, un siècle après, il existe le facteur cheval du 21e siècle à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Je tiens à préciser, je suis sculpteur plasticien depuis 36 ans. Et donc, j'invite les gens dans un parcours onirique. C'est un partage d'amour, de plaisir. Ils ont 9000 m². La visite peut durer une heure et demie. Il y a 6300 œuvres, comme vous le disiez. 2700 sculptures, que j'ai faites entièrement moi-même depuis pratiquement 40 ans. Ces sculptures sont aussi liées avec la nature. J'ai fait un mariage de la nature en mettant des plantes du lierre mexicain, des plantes végétales, beaucoup de plantes tropicales qui se mélangent. Donc, quelque part, c'est un univers totalement onirique. Alors, vous trouvez effectivement des sculptures comme Ground Zero. Vous trouvez en même temps l'épave, ça ne s'invente pas, d'un sous-marin nucléaire avec des pièces que nous avons pu reprendre à l'armement avec l'autorisation de l'armée de terre. Nous avons eu de l'autre côté aussi des pièces comme le tunnelier de Lyon, qui servait à creuser le métro. Donc à chaque fois, il faut détourner les pièces qui font 40, 50, 70 tonnes, voire 100 tonnes, et les mettre en situation. Et surtout, ce que j'adore, c'est d'aller rechercher toutes ces pièces qui, finalement, au cours du XXe siècle, ont conçu des millions d'objets. Et finalement, je les traduis par une œuvre singulière en les détournant de leur fonction première. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important. Le public qui vient à la demeure du chaos, c'est ça qui est génial. C'est tous les âges, toutes les nationalités, tous les milieux sociaux professionnels. Ils peuvent prendre des photos gratuitement. L'entrée est gratuite. Le catalogue d'exposition qui, au passage, vient de sortir ce matin, ça ne s'invente pas, parce qu'on va fêter nos 20 ans. Donc, tous les gens qui viennent cet après-midi, j'invite à un pèlerinage culturel dans cette fête de l'Assomption. Venez en grand nombre. 9000 m² on a de quoi vous accueillir. Oui, il y a la place. Voilà, il y a la place. Et effectivement, le catalogue vient d'arriver sur Palette, qui propose donc les 20 ans de la demeure du chaos, déjà 20 ans. Finalement, comme quoi l'utopie, ça marche. Et ben oui, c'est vrai. C'est un festival de couleurs, cet endroit. J'allais dire cette maison, mais ça n'est pas une maison en fait. C'est fou, puis ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes allé chercher des pièces de plusieurs tonnes, que vous les avez démontées, vous les avez rapatriées, vous les avez remontées. Enfin, Oui, parce que je suis un grand voyageur, donc on est cherché des pièces en Russie, je suis allé chercher des pièces en Chine, on est allé chercher des pièces aux quatre coins du monde, mais aussi, on a des gens. Par exemple, on avait le groupe d'Assaut Industrie qui nous a laissé un Flamand, qui est un énorme avion dans lequel le général a volé. Donc, en fin de compte, parfois, on reçoit de nos visiteurs ou des grands industriels, des pièces monumentales. Et c'est à moi aussi de me dire comment je peux, en quelques mois ou quelques semaines, les détourner, les recréer. Et c'est ça qui est aussi l'enjeu. C'est fabuleux parce qu'il y a un partage dans le public, notamment aussi bien, on s'occupe d'enfants autistes avec une convention hospitalière dans la semaine. On a aussi des primaires, des secondaires, on a en même temps des scientifiques. Ça fait aussi résidence d'auteur. Donc on a par exemple Norman Spiran, qui est un des plus grands auteurs de science-fiction, qui écrit à la demeure du chaos. Donc il y a vraiment ce lieu de partage et je crois qu'aujourd'hui, plus que tout, on a besoin de liens sociaux, il y a besoin de cette gratuité, il y a besoin que ces gens viennent, et surtout ils peuvent toucher les œuvres, les photographier, jouer avec. Donc on n'est pas dans le parcours muséal avec ce qu'on appelle la migraine du conservateur, on est vraiment dans un échange, et c'est assez fabuleux, on a 25 voire 27% de gens hors France, dont 12% hors Europe. Oui, il y a beaucoup d'étrangers, d'ailleurs vos guides parlent un peu toutes les langues voilà, du monde. Tout à fait, petit détail, prenons un exemple. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui veulent nous chercher, on a notre site Facebook où il y a tous les utile. Alors, il y a 3 millions d'abonnés, c'est extrêmement suivi. Du coup, ça veut dire que tout le monde entier suit un peu les actualités. Voilà, il y a 3 millions d'abonnés et en tout, on a 7 millions d'abonnés si on compte au compte Twitter. Ouais, c'est assez incroyable. Donc, on a des gens du monde entier. Et c'est amusant parce que j'avais une dame de Melbourne qui me dit « Ah mais oui, vous avez fait cette revue-là mardi dernier. » Voilà, ils sont au courant. Et puis, je me suis dit « Mais comment elle peut savoir ?» Mais je dis « Bah oui, c'est Internet. » La magie d'Internet. Merci infiniment, Thierry. Alors, vous êtes ouvert aujourd'hui 15 août puisque c'est mercredi et parce que la demeure du chaos ouvre le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Et évidemment, c'est gratuit. Vous repartez même avec un catalogue de 200 pages et plein d'histoires. Catalogue est arrivé ce matin. Magnifique. Et donc, bon anniversaire d'avance. Et les 20 ans sont l'année prochaine. Europe. Europe 1.